roue de 52, elle peut mettre bien. Hop, moins 1000 T1, c'est bien ça. C'est très très bien. Et bon, après, ça peut, pareil, ça peut se heal tranquillement, ça, c'est chiant quoi. On va voir ce que ça donne. Bon, il sous le boost, il fait son tour classique. Ok. J'ai juste reculé comme une petite merde. Et tu peux pas là, il est con lui ou quoi? Et il a trop mal joué là. Bon, il va jouer un tour dans le vent. Tant mieux. Ça tape là. Une case de trop, mon pote. C'est con ça. Hein. Comptez mal les pommes curatives, c'est nimp. Le truc c'est que je peux même pas les héros là, c'est ça le problème. That's a big problem, man. Maîtrise, mais bon, ça sert à rien, juste pour avoir un crit en plus quoi. Ok, il va remettre un portail. Grave, s'il le met là, c'est un putain de triso. Hein. Ah ouais, tu peux pas taper si tu mets ton portail, le trou du cul il disparaît. Curative, interruption. Voilà là. What a tour! What a tour! Je me tâte à avancer vers lui quand même. Va falloir que j'y rode un de ces quatre. Ce que je vais faire, c'est que je vais y aller maintenant. Toujours aussi bien. Pourquoi il se plaint de la mage d'Ophus là? Je comprends pas. Donc là, le portail qui. Merde! Le portail qui disparaît, ça va être celui-là. Je vais mettre en. Comment on fait déjà? Comme ça. Bon, là, il peut me taper. Ouais, il dit toujours bien équilibré, mais frère, tu vas me dire que c'est équilibré là ce que tu joues? Pauvre con. Ouais. Ce que tu joues et comment tu le joues surtout. Là, je vais faire ça, ça, petit chaton et redécaler de 1. Aussi éclater les joueurs de Héliotrope en tout cas. Vas-y. Il est honteux comme mec là, c'est horrible. Attends, le 1 qui va disparaître. Ouais, le mieux c'est que je fasse ça. Je mette double coup et que je recule. Vas-y. Parle dans le vent, fils de chien. Ah, les portails trop durs. Ah là 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 là. Les petits cakes de genre, je kiffe. Est-ce que je peux le tuer?
Dommage. Petit Elio, ça fait plaisir. Salut. Yes. Vais me poser là, je suis bien là. Hey yop. Hey yop. Ma rush instant vindict, pas mal ça, il a bien joué. Il a bien joué. Je vais peut-être lui mettre un miaouche derrière. Ouais, je vais miaouche coussiner, ça me permet de me barrer. En plus de ça, bah, je suis assez tranquille. Par contre, faut absolument que je me mette ici. Si je vais là, il se met là et je peux pas me barrer. Ah si, j'aurais pu avec ma roulette. Il a mal joué, je peux me barrer. Je vais me barrer, en plus je prends les... Il y a des classes que t'arrives pas à gérer. Bah, héliotropes, s'ils sont bons, j'ai du mal. Sacri, ça dépend, parce que c'est, bah, ça reste sacri quoi. Il y a quoi après? Dans l'ensemble, en vrai, ça va. Donc ouais, je disais Héliotrope s'il joue bien, Sacri, Yop, pareil, ça dépend. Si c'est des Yop full terre, gros bourrin, c'est quasi impossible que je gagne. Après, je vois pas trop. Les uppers, c'est très très fort contre EK. Mais qu'est-ce qu'il fait avec son héros, gros? Je me suis pas encore soigné du combat. Tape-moi en fait! Il se précie. Il y a déjà un milieu sur la gueule, non? Ouais. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste courir. Hein. Je vais me mettre. Là, je vais me soigner. Tiens. Ça, il m'aura pas héros pour rien, ce chien. Voilà. Après ouais, niveau classe je vois pas trop enfin là de tête y a rien qui me vient. Y a pas grand chose qui me vient. C'est nul le gros les tours que tu fais là. C'est pas méchant hein, mais. Après c'est vrai que ouais, il est raw et c'est pour me jouer sur la durée. C'est vrai que c'est chiant pour ça les petits hop. Les petits hop dans son genre là. Pam, pam, pam. Mais pourquoi tu... T'es con gros, mets-toi là! Là je me coussinais, je me casse! Ils ont pas de cerveau, c'est incroyable! Est-ce que je le tue? Avec les ébènes? S'il y a moyen, mais est-ce que je prends le risque? Parce que ça se trouve, il a un argenté scintillant et je suis baisé. Et que sa mère, on prend le risque. GG? GG. Yes! Petit hop chat. 15%. Plein hop feu, ça, non? Ça m'en a tout l'air. Couleur aléatoire, par eux, du coup. Quel type de pseudo ça? Il y avait quoi comme roulette là? Un autre PA? Oh, il me laisse savoir mon petit boost vulpis, c'est un frère lui.
juste courir. Je vais clairement courir. Là, il a un tour de puissance dans le vide. Ça c'est archi cool. Là, il hésite. Soit il tape sur la roulette, soit il bond et il me tape à distance. Donc, il tape bien sur la roulette. Il sait bien, Ayop, full fureur. Si tu te déferlements, t'as un frère. Détermination, indéplaçable. Ok. Pas plus mal pour moi. Dommage que je crit pas plus. Le truc, c'est que là, je peux pas faire grand-chose d'intéressant. Si ce n'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ce n'est aller au fond là-bas, parce que mon chaton va potentiellement le bloquer là. Parce qu'il va aller taper l'Iop là. Donc son déferlement, il est pas fou. C'est le meilleur placement où je pouvais aller, ça, je pense. Que là, il grille tous ses PA dans le vent. Ouais. C'est clairement le meilleur placement que j'avais à prendre. En plus, il m'a pas mis d'ébène terre, il m'a mis un ébène haut, ça c'est cool. Il précise pour mettre une fureur derrière. Même pas, il a pas lancé la fureur. Par contre, oh, il tape de fou, gros. J'en ai vu des dégâts dans ma vie, hein. Je sais pas. Ça. Il dure 2 tours le bonus puissance du chaton. Pour ça, c'est assez fort. Bon, là, il sort précis, donc c'est bénef pour moi de taper. Là, il va relancer une vita. Sinon, il est mort. Et sauf que là, on va être en tour impair. Et s'il me touche pas, ça peut être insane. Ok, relance sa fureur. T'as intérêt à te vita, gros. Je suis sérieux. Faut que tu te vita, gros. Détermination. Il est con. Bah, t'as perdu, hein. Sais pas pourquoi il a pas vita. Bon, on prend, hein. Il était obligé de vita, même si ça changeait pas l'issue du combat, je pense. J'ai gagné dans tous les cas, j'avais encore chance contre coup. J'étais plutôt bien. Ok, je joue deuxième, dommage. Et il n'y a personne du coup que je peux toucher. Fuck it. Sram full air. Nice. Je crois qu'il s'est planté lui. Épidémie, c'est les rats. Ah, il a bien joué. Ça va nous faire chier d'entrée. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà poser ma roulette tranquillement. 2 PA, oh, ça peut être pas mal ça pour mes potes. Ça sert à rien, mais bon, je vais le mettre quand même après, au cas où. Au moins, je refonce en 42 heal. Alors, un Xelor avec Pritech. Mastercard. Il a un cadre en haut, mais il n'a pas des raises exceptionnelles. Bon, il va être feu, hein, classique. Le Croy, 199, 15 réfixes terre et 12 feux. De quoi ça peut provenir ça? Je vois pas du tout. Je vois pas du tout les 15 réfixes et les 12 même, je vois pas. Bon, on verra bien.
Nous, notre SRAM, il a l'air d'avoir des sabots. Ah non, c'est pas des sabots minables, il a un item. Soit c'est un chevelu qu'il a, soit c'est un anneau pas de rêve, mais je pense que c'est un chevelu vu ses raies. Il a max raies R, c'est un mode terre ça, il a un anneau chevelu en plus. Ok, pas mal les portails. Affliction, tin, 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 tin. Le cra. Ouais, c'est un cra haut, il y a sûrement du retrait. J'ai bien fait de mettre le familier, je pense. J'y pense, Ariandel. Piège de dérive, ouais. Piège funeste pour la synchro, ouais. Est-ce que c'est bénéf? Je ne sais pas. Il prend le coup, lui. Ok. Lac de Corolo, Toma no cu. Ok, mec. Salut, Cradoc, ça vaut quoi la forme? Voilà, les bonnes émotions se tournaient là. Tum, 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 tum. Je peux pas taper. Ouais, mais ça va le finir, ça. Voir si je tape là. Ah, c'est mort, ça va le finir. Bah, j'ai pas le choix, je vais devoir attendre. Je vais devoir attendre, très clairement. On va bloquer la ligne de vue de ce côté. Ouais, j'ai côté perso, voir si t'avais pas mon stuff sagesse. Non, non, j'ai pas ton stuff, moi. Justement, t'avais voulu me le prêter pour les cas et je t'avais dit non, t'inquiète, je suis en XP x4. Tu l'as pas prêté à quelqu'un? Je crois que c'est chez ce qu'il l'a. Ah, sur son SRAM? Peut-être, hein. Ouais. Ouais. Mon culé l'hélio, ce bâtard. En plus, il est sous injection. Poison insidieux. Oh là là. Ou je l'ai passé au trans. Ah, peut-être. Peut-être, peut-être. Qu'est-ce qu'il branle? Mais c'est quoi cet hélio, frère? Oh, la vie de ma mère. Oh, il y a l'autre à côté. Il est close. C'est bien ça. Cram 198, j'ai acheté les exos là. Oh lo 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 lo. Caradoc on the floor. C'est dommage, on va pas pouvoir sauver les lios. Je pense qu'on a perdu notre Coliseum. Ah, il est bien là le SRAM. Si tu peux l'éclater, n'hésite pas le frère. Percho Vita, Sagesse, Force. Oh là là, même pas agi. Il fait quoi là le SRAM? Perfidie, non? Pourquoi il joue pas gros, je comprends pas. C'est éclaté comment il joue là. Par contre les dégâts que je vais lui mettre au SRAM gros. Il va aller se cacher mais. Ah ouais bah du coup c'est mort.
Attends, tu vas vraiment le laisser en vie là? Non, tu vas le finir quand même. Mais finis-le, wesh! Mais il est con! La vie de ma mère, il est con! Ah, par contre, j'ai mis mon ébène comme un con. Ça, c'est ballot, ça. Ça, c'est fort ballot, ça. J'ai mis mon ébène haut sur un truc, là. Fais chier. Si, merde, pas de soucis, mon pote. Tu peux encore jouer un tour. Bon, certes, j'ai pu m'excéder. Mais tu peux jouer un tour et te mettre bien. Déjà, si t'arrives à finir le SRAM, c'est clean. Prémonition. Le contre, il est lancé où? Sur lui, ok. De Facebook. Regardez mon Helios qu'il va faire. Normalement, il peut tuer le SRAM là tranquillement. Voilà, parfait. Tu viens là, tu l'éclates. Ah, ok. Ok, nickel. Pouh, ça c'est du parasite. Bon, il est mort, il a mon ébène feu, il y a personne qui soigne en face, bon, c'est free. Du coup, le Dofusbook que tu m'as envoyé, oups, erreur. L'équipement est introuvable. SRAM def. J'avais modifié un truc. Il a pas de coco, il a rien, c'est bon, il est mort, qu'est-ce que tu racontes? Comment il a éclaté le Xel, frère? Moi je le finis, c'est parfait ça. Oh, retournement de situation, quoi. On finit ce coulisseur en beauté.